Alors ici, à l'Histoire sans fin, nous sommes spécialisés dans la cuisine traditionnelle flamande, c'est-à-dire que nous élaborons des plats traditionnels du Nord, tels que la carbonade flamande notamment, et nous sommes également spécialisés dans la cuisine de plats revisités par rapport aux plats traditionnels, donc c'est-à-dire qu'on utilise des ingrédients locaux, des fromages locaux, le Mondeca, le Maroilles, le fromage des Deux Caps, pour élaborer des recettes en revisitant un petit peu les ingrédients principaux. Donc nos produits sont toujours frais et toute notre cuisine est maison, que ce soit le salé comme le sucré. C'est quoi qu'on goûte aujourd'hui? Donc nous allons vous faire goûter le Welsh, poulet, chorizo, maroilles, poireaux, accompagné de frites maison et de salade verte. Je vous présentais ce midi un Welsh revisité au maroilles, chorizo et poulet. Alors pour ça, il faut de l'huile d'olive, des poireaux, du maroilles, une escalope de poulet, du chorizo, de la bière, du pain et de la moutarde. Donc pour commencer, on va laver le poireau et l'émincer. On va mettre un fond d'huile d'olive et le poireau à cuire. Pendant que les poireaux cuisent, on va cuire l'escalope de poulet dans le four. Alors, une fois que le poireau est cuit, on rajoute le chorizo. Alors, pour que le poireau s'imprègne bien du goût du chorizo. Hop, impeccable. Donc, notre plat, on moutarde la baguette. On rajoute la bière, ensuite le maroilles, sur lequel on va mettre notre préparation chorizo poireau. Dessus, on va mettre l'escalope de poulet qu'on a cuit en attendant. Remettre les morceaux de maroilles. Et comme on est gourmand, on est du Nord, un fond de crème et il n'y a plus qu'à enfourner. Un petit 10 minutes et voilà. Pendant ce temps-là, on épluche les pommes de terre. On prend une spécialité spunta, c'est une pomme de terre à la cuisson qui roussit très vite parce qu'elle est légèrement sucrée. Donc on ne va pas la cuire à une température trop élevée. Une cuisson à 130 degrés jusqu'à ce qu'elle soit légèrement colorée. On les ressort et on les cuit définitivement à 170 degrés. Pour le dressage du Welsh, alors on va prendre notre salade verte. Nous on met de l'oignon rouge, des tomates et quelques concombres, un peu de vinaigrette. On va replonger les frites dans le bain plus chaud pour les terminer la cuisson. On sort notre Welsh du four et on sort nos frites bien dorées dans le petit bol et on envoie. Bon appétit !